Assieds-toi. Oui, je te dérange? Non, 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 montre. J'ai vu Guido au café en bas. Vous êtes fâché? Il avait l'air bizarre. Non, non, il a pris la manie d'écrire en bas. Tu trouves que j'ai été désagréable avec toi, Paul? Mais non. Je regrette. Peut-être que les mots ne traduisaient pas ma pensée. T'as fait quoi ces deux jours? T'as travaillé? Oui, je sais. Je sais, je sais que je suis trop violente. Je sais que je suis froide. Tu m'as manqué. On fait la paix? Oui. Tu veux un café? Si tu veux. En fait, je ne sais pas exactement ce que je pense. Tu comprends? J'ai l'air d'avoir un avis arrêté surtout, mais en vérité, j'en ai assez de mentir tout le temps. Écoute, je pense pas que tu mens tant que ça. T'as raison. Je ne mens pas plus que n'importe qui. Je ne vais pas te déranger plus longtemps. Et merci pour tout ce que tu m'as dit. Et pour tout ce que tu m'as pas dit. Tu t'en vas? Et le café? Pour avoir un enfant, il faut croire en certaines choses. Et moi, je n'y crois pas. Ce n'est pas comme toi. Tu crois en des tas de choses, hein? Tu m'as toujours fait la morale. Tu pourrais même expliquer ce qu'est l'amour, hein? Attends. Ça s'est bien passé, hein? Oui, impeccable. Grâce à toi, ma petite Nina. Je me demande pourquoi je cherche partout la perle rare alors qu'elle est sous mes yeux. Oui, pourquoi? Allez, j'y vais. Passe un bon week-end. Toi aussi. Au revoir. Qu'est-ce qu'il vient de me dire? Attends. En fait, je rêve pas. C'est évident. La perle rare. Oh, la perle rare. Il m'aime. C'est ça qu'il essayait de me dire. Il est parti trop vite. C'était pas du tout naturel. Allez, un peu de courage. Il y a bien eu le courage de parler, lui. Alphonse! C'est à propos de ce que tu viens de me dire, là. Oui. Sur la perle rare et tout ça. Oui. Ben, moi aussi, je trouve que t'es une perle rare. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Si t'as des sentiments pour moi, moi non plus, je suis pas indifférente. Non. Je sais pas ce que tu imagines, je t'aime beaucoup, mais c'est tout. C'est tout. Je t'ai toujours vu comme un ami. C'est important pour moi, l'amitié. Nina, on peut oublier ce qui s'est passé. Oui, on peut oublier, mais on oublie. Je peux te déposer quelque part, si tu veux. Non, parce que j'ai la voiture, là. Ah, bon. C'est quand même plus agréable, un beau ciel bleu, non? Oh oui. Si. Non, je veux pas que tu viennes. Non, j'ai pas besoin de toi. Tu comprends pas. Laisse-moi tranquille, Paul.
Là, je donne-moi ça. Une petite mine, toi. Hein. C'est parce qu'elle est pas bronzée. Mmh. Allez, viens, la voiture, elle est là. Tu vas voir, c'est un endroit mais génial. Ouais. Ah ouais, c'est trop extraordinaire. Qu'est-ce que tu veux manger, Ada? Tu veux du poisson? Non, non, j'aime pas le poisson, mais ne vous dérangez pas pour moi, hein. De toute façon, j'y suis difficile. Bon, alors, des tonnes de lait pour Richard. Il a un appétit d'ogre. Tu vas voir comment il a grandi en 15 jours. Voilà, le pain, c'est réglé. Ah, vous avez déjà pris le pain? Bon, ben, je vais le remettre. Qui veut du coca? Ah non, non, merci, ça c'est direct le... Double, double. Je vais vous faire un petit clafoutis aux pommes. Vous m'en direz des nouvelles. Ouais. Des champignons? Ah non, c'est meilleur frais. Je les préfère en boîte. Malade ou quoi? Tu veux du jambon? Tu sais bien que je mange pas du cochon. Mais non, qu'est-ce qu'elle a dit à la toilette? Il y a certaines femmes qui savent. Il la regarde et il fait, vous avez de beaux yeux. Elle lui répond, pas aussi beau que les yeux. Il se lève les mains et il lui dit, vous venez de faire quelque Mais je peux pas, j'ai trop mangé. C'est déloche. C'était bon ce repas. Bah oui, j'ai encore grossi, tu vois. Ah, ça me tuait cette bouffe, oui. Je sommeille. Bon, je m'en vais dormir. Seul de compagnie, à demain. À demain. Bonne nuit. On voit bien les étoiles. T'as vu la casserole comme on l'a bien récurée ce soir? Moi, je crois que je vais me coucher. Je suis fatiguée. Non, laisse, ça va. Glandine le fera demain. Bon, on va se coucher nous aussi, comme ça on dit bonsoir à Richard. Je vais rester un peu dehors, moi, je crois. Moi aussi, j'ai pas de sommeil. Bon, alors, à tout à l'heure, Yves. À demain, Ada. Parce qu'en fin de compte, c'est nous qui nous sommes connus les premiers. Donc j'étais fière d'avoir un correspondant français. Moi, j'étais terrorisée la première fois dans ta maison. Je comprenais rien à votre langue. On peut pas dire que ça se soit tellement arrangé. Pourquoi on se parle presque plus jamais? Je sais pas. On m'a dit que t'avais arrêté de travailler pour Sam. Oui. Putain!
c'est 2h du matin, cette espion. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, ces cons? Mais pourquoi ils sont plus à table? Ils parlent, ils parlent. Ils parlent pas, non, ils parlent pas. Ils parlent plus, à 2h du matin, ils parlent plus. On m'a proposé de faire les costumes d'un film. C'est drôle, non? C'est bien, ouais. Je trouve ça excitant, non? Tu crois que on pourra peut-être travailler un jour ensemble? Ça serait... Non? C'est-à-dire que moi, je travaille toujours avec la même personne, tu sais? Ah oui, non, je disais ça comme ça, au cas où... tu pourras peut-être me donner des adresses, alors. Des adresses? Bien sûr, je te donnerai des adresses. Quelle heure, là? Il doit être 3h30, je crois. 3h30? J'ai hyper mal à la tête. T'as de l'aspirine? T'as une clope? Tiens, j'aurais pu. Bon, je vais aller me coucher. Merci pour tes conseils, Yves. Ciao. Bonne nuit. T'es jalouse? Facile de provoquer les gens. Ou alors tu viens? C'est dur d'être seul dans la vie, non? Tu trouves pas? Toi, tu le supportes bien? Quoi? Salut les girls! Bien dormi? Oh, il est quand même pas mal, Alphonse, hein? Non? Oui. Il est assez attractif. Il est craquant à mort, tu veux dire. Faut pas le laisser comme ça, hein? C'est une honte. Pas vrai, Emma? Je suis sûre qu'il cherche une fille comme toi. J'ai bien vu comment il te regardait hier quand tu dansais. C'est net. Ben, écoute, faut voir. Pourquoi pas? J'en étais sûre, I knew it. Mais je le disais à Nina. Et dis-moi, ça fait combien de temps que vous deux... Non, tell me, plusieurs mois. Ça fait... Non, en fait, on n'était pas sûrs, alors on voulait pas vous le dire, mais... on allait le dire, mais on n'osait pas. Mais on allait vous le dire. Bravo, hein, bravo. Bon, je vous laisse.